couleur café, que j'aime ta couleur café. Jean-Paul, quelles sont les vertus du café en termes de bien-être, hein? Déjà, Nathalie, les vertus du café, c'est déjà de vous apporter un bon moment, en général à la fin du repas, ou le matin pour les gens qui veulent se réveiller avec plaisir, ou violemment, ou doucement, souvent on demande au magasin. En général, les gens préfèrent être réveillés doucement, donc avoir un café doux, parfumé, qui va leur permettre d'apprivoiser la journée avec plaisir. D'accord. On dit que ça a des vertus antioxydantes, c'est vrai ça? C'est vrai. Il y a beaucoup de similitudes avec le thé. Bon, il y a des vertus antioxydantes donc, qui sont bons pour le cœur. On dit même que ça pourrait favoriser un peu la diminution du diabète, que ça a de bonnes vertus concernant l'urée, etc. Oui, on etc. élimine. Le on café, élimine. Ça fait éliminer les toxines. Il y a un institut qui s'appelle l'INSERM à Strasbourg qui se pose beaucoup sur cette question-là, qui sont très pointus. Mais on prête au café, finalement, beaucoup plus de qualité que de défaut. Oui, parce que le défaut, c'était un peu le côté cardiaque, le cœur, ça stimule un peu trop. Il y a beaucoup de médicaments qui sont faits à base de caféine, qui sont des toniques cardiaques. Donc, tout n'est pas mauvais dans le café. Au contraire, de plus en plus, on découvre des qualités. Jean-Paul, comment il faut consommer le café pour que ce soit bon? À mon avis, la meilleure manière pour le consommer, c'est le café ristretto. C'est un café serré. Contient très peu de caféine parce que la caféine n'intervient qu'en second temps dans l'extraction du café. Et c'est pour ça que nos amis italiens ne boivent que des cafés serrés. Je dirais que dans l'absolu, c'est les cafés allongés qui contiennent le plus de caféine, qui sont donc, entre guillemets, les plus nocifs pour la santé. Eh ben super, voilà, on va changer nos pratiques. Moi, je prendrais bien un petit café. Vous m'en offrez un? On va prendre un ristretto, ça marche.